Noir et le Bleu, Laura Verfer, Les Ardents et Carcassonne. Merci pour la venue. Oula, l'un des combattants des Ardents fait finir en spot déséquilibré par le coup de pied qu'il avait donné. Un combattant au service de la part est au sol. C'est très serré, vraiment, cette équipe le rend coup pour coup. Ça va dans tous les sens, mesdames et messieurs. C'est très serré, hein, le passe à serré, c'est Adam, on avantage ce moment. Mais le perdu se l'attend avec leurs camarades, n'ont pas dit le dernier mot. Ils sont les uns après les autres, c'est bientôt la fin. Là, le dernier, encore un. Stop, 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 l'alliance perdue, c'est Marcel, Armand-Gabriel, Marie-Claire Gauthier se rendent pour obtenir un troisième. Je rappelle que les deux équipes s'affrontent pour la troisième place. L'un de combattants forts, l'autre sur le A, sur le message de son casque, elle appartient à Monique, qui protège le visage, qui a sauté. Allez, Bordeaux! C'est bon, allez! Allez, 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 c'est bon. Ils vont devoir percer la formation ennemie, ils vont pouvoir casser ce blocus. Là, nous parlons, il va passer. Oh, c'est bien, c'est dans la fin de la fin de la fin, mais là, le pas. Les deux lignes ont été complètement brisées. Chacun prend sa version, les combattants tombent les uns après les autres. J'entends là, c'est tenté. Je vais lutter vers lui et se bousculer. Le capitaine Martel est envoyé sur une très belle charge dans les deux numéro 8, des Ardents. Ils ne sont plus que 3 et c'est la fin du round.